Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 5 avril 2024, aujourd'hui on commence avec la carte de l'appel, l'appel déposé. Qu'est-ce que ça vous dit? Pause des travaux. Est-ce qu'on va prendre, oups, attendez, la carte ici du go. On dirait que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter ou qui ne veut pas arrêter. C'est en lien avec quoi? Avec l'appel, travaux sur le terrain. Donc ici, on dirait que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Attendez. Continuons. Il y a comme une invitation à prendre une pause. Il y a quelque chose là, qui nous empêche. Donnez-moi une minute. Il y a un blocage au niveau de la route. On verra bien. Au niveau du chemin. Qu'est-ce qui te bloque ton chemin? Il y a un blocage sur la route. Des travaux de construction. Donnez-moi une minute. Sur l'appel, on dirait qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Dépendre de, ça va dépendre de quoi? On dépend du travail, de notre travail. On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à prendre la pause. Ici, qu'est-ce qui t'empêche là, sur ton chemin? Il y a un blocage en lien avec cette carte, le go. C'est comme si on ne pouvait pas y aller. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Humilié. Attendez. Bon, on a le mot « humilié ». Donc là, j'ai comme l'impression qu'une personne va, quoi? Avec la route, le chemin, le go à l'envers. J'ai comme l'impression qu'une personne va mettre une limite à une autre qui l'humilie. Il va y avoir un blocage. Une protection, un stop. Donc, probablement qu'on va dire qu'on va mettre un stop à une personne qui nous humilie, nous dénigre, nous dévalorise. Cacher. Cacher quoi? Donc, il y a quelqu'un probablement ici qui va changer de route, qui va aller vers un plus grand respect de lui. Continuons. Qu'est-ce qui est caché? Que voulez-vous me dire avec caché? On nous présente l'enseignant, l'école, formation. Leçon. Enseignement caché. Caché. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que tu as appris? C'est l'école, la formation, les cours. Enseignement. C'est peut-être quelqu'un ici qui donne des cours. Une formation avec le mot caché, on pourrait penser à cacher formation. On pourrait enseigner, si on a le mot caché, bien, ce qui me traverse l'esprit, c'est qu'on donne des formations
mais on ne le déclare pas. C'est comme un revenu, un travail au noir. On ne déclare pas les revenus qu'on reçoit. On dirait que c'est quelqu'un qui donne une formation, qui donne des cours et qui ne déclare pas ses revenus. Là, c'est ça qui me traverse l'esprit parce que je ne vois pas d'autre chose, le caché, à moins que quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes. Vous pouvez l'écrire, sentez-vous libre. Caché, enseignement, formation, leçon, cours, enseignant, étudiant, caché. Donc, ça peut être des cours privés, cachés. Ah oui, c'est ça. Écoutez, on ne déclare pas. Travail au noir, c'est ça ici. C'est ça. Bon. On ne déclare pas les revenus. Bon, je ne sais pas à qui ça parle, à qui ça va parler. Ici, avec l'ombre à l'envers, là. Oui, il y a quelque chose de caché qui est dans l'ombre. Il y a un mensonge qui entoure la carte de l'école, le caché, on joue dans l'ombre. Je pense qu'on me parle d'un travail qu'on ne déclare pas. On donne des cours en privé et on ne les déclare pas. Je pense que c'est ça là, qu'on veut me dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Dépendre de... Ici, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de travailler. L'appel est déposé, mais non, on dirait qu'on ne peut pas arrêter de travailler, c'est important. On dépend du travail, on a besoin de ce revenu-là. Ou c'est quelqu'un qui a besoin de travailler pour se sentir bien. On ne peut pas s'arrêter. Ou on ne veut pas s'arrêter, on dépend de ça, on en a besoin. Ici, humilié. Ici, on dirait qu'il y a un barrage. C'est un barrage que je perçois, un barrage sur la route. Donc, d'après moi, humilier le barrage. Non, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va aller vers un plus grand respect. On va mettre une limite au mot humilier. On va cesser de se détruire. Bon, regardez. Détruire, cycle, mentir. Donc, détruire, cycle. Il y a quelque chose qui se répète, qui revient avec cycle. On se remet à mentir. Est-ce que c'est ça? Le retour du mensonge. Et c'est reparti. On pourrait me présenter aussi une personne, on peut être du côté de l'enseignant ou de l'enseignante là, ou des étudiants. On se cache. Une personne en lien avec la formation, l'école, qui se cache parce que quoi? Ici, là, il y a quelque chose de... Il y a deux personnes, attendez une minute. On joue dans le caché, l'enseignant ou l'enseignante, là, à vous de l'adapter en ce qui concerne le féminin, masculin. On joue dans le caché. On répète quoi? La carte mentir. Donnez-moi une minute. Détruire, cycle. Mais là, on a quand même détruire. Donc, on voudrait peut-être nous dire qu'on veut cesser de se mentir. Avec détruire, on va détruire quelque chose. Un cycle, un schéma qui se répète, quelque chose qui revient, le retour, c'est cyclique, et c'est le mentir. Donc, on pourrait décider ici de mettre un terme à un schéma destructeur pour soi. Parce qu'on commence à angoisser, on commence à avoir peur. On se sent coupable, on l'est peut-être aussi, on se sent coupable, on regrette d'avoir menti. Donc, il y a quelqu'un ici qui va détruire le cycle du mensonge. On se sent coupable. On l'est aussi, peut-être, là. Bon, continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Coupable et par la suite, la carte sans... Ah, regardez, pardon tout de suite après. Donc, pardon, oui. Je rencontre quelqu'un ici qui va mettre un terme, qui va détruire, qui va cesser de répéter un schéma destructeur en lequel on ment. On joue dans l'ombre. On joue dans le caché. C'est malhonnête.
C'est malhonnête. On est malhonnête avec soi, on est malhonnête avec les autres, avec l'autre. Donc, on répète un schéma destructeur pour soi. On se ment, on ment aux autres, on ment à l'autre. Et si pardon, bien c'est quelqu'un qui veut quoi? Se délivrer d'un passé, se libérer d'un passé, faire la paix, se réconcilier. On regrette. Il y a une personne ici qui regrette de t'avoir menti. À répétition. Il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui regrette de t'avoir menti. Et qui veut se faire pardonner, s'excuser. Confusion stop. Donc ici, on va sortir de la confusion. On va mettre un terme à quoi? À ce qui crée la confusion. Qu'est-ce qui crée la confusion selon vous? Quand on regarde les cartes, mentir. On sème la confusion pour cacher quelque chose, notre mensonge. On crée la confusion pour cacher quoi? La vérité. Donc, on enrobe la vérité de mensonge. On crée l'illusion. Tout le monde est confus. Mais là, on nous dit quoi? Stop, ça va s'arrêter, là, la confusion. On va mettre un terme à la confusion. Donc, on va clarifier possiblement quelque chose. La carte du pardon, c'est la carte qui nous parle de quoi? De la révélation aussi. De la révélation des faits. Je reconnais la réalité. Quelle est la réalité? Ce qui est en vérité. Les faits. Donc, il y a quelqu'un ici qui a menti, qui se sent coupable, qui veut se faire pardonner, qui veut se réconcilier, faire la paix, être en paix. Être en paix avec lui-même, être en paix. Donc, on veut cesser de répéter un schéma destructeur pour soi. On a menti à répétition. Mensonge à répétition. Et ça revient, et ça se répète, et ça revient. On joue dans l'ombre, on joue dans le cachet. Ici, on peut me présenter, comme je le disais au début aussi, quelqu'un qui cache ses revenus, qui enseigne. Ça peut être ça ici, là. On donne des formations en privé, on se cache, on joue dans l'ombre. C'est la malhonnêteté que je rencontre. On ne déclare pas les revenus, on se cache, on joue dans le cachet. Il y a des avantages. J'imagine qu'il y avait des avantages à jouer dans l'ombre, dans le mensonge, dans le cachet, à créer la confusion pour cacher les faits. Donc, avec quoi on crée la confusion? Avec les mensonges. Mais là, il y a quelqu'un en cette guidance qui veut jouer la carte du vrai. Stop confusion. Donc, on va clarifier quelque chose. Et c'est merveilleux par la suite. Il n'y a rien de trop valorisant, il n'y a rien de valorisant au bout du compte là, quand je regarde les cartes. Mentir, par la suite, on se sent coupable. Et en même temps, on l'est coupable. Selon les lois, selon les règles, selon la justice. Parce qu'on ne déclare pas, on ne déclare pas des revenus. Ici, c'est ça qui m'a traversé au début. On se cache. Donc, on reste dans l'ombre. C'est ça ici, c'est ce que je vois. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette guidance? Donc, quelqu'un se sent coupable. Pour moi, c'est clair ici là, qu'il y a quelqu'un qui veut un changement, qui veut un changement pour se libérer. Qui veut être honnête. Une personne qui veut être honnête. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à ajouter? Cacher et la formation, vous voulez me dire quoi? Cacher, formation, école. Cacher. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Caché, enseignement, enseignement caché, formation cachée.
Eh oui, masque. Vous voyez, on est vraiment dans le caché. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On se cache derrière les masques. On se cache. Il y a vraiment quelqu'un ici qui se cache, qui joue un rôle. Les masques. On pensait connaître cette personne, mais non. Les facettes cachées. Une personne qui joue dans l'ombre. On pensait qu'elle était honnête, mais non. Donc, rappelez-vous, ici, ça peut être aussi une personne qui prend des cours, qui suit des formations. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, à vous de voir. Ça peut être on nous aide peut-être à identifier la personne qui joue des rôles. Elle est en lien avec cette carte. Double visage, double face. On joue des rôles, des personnages, on se cache derrière des masques. On se cache. L'idée du cacher est très présente ici. Donc oui, ça peut être une personne qui prend des cours, des formations, qui aime apprendre ou qui enseigne. Mais il y a vraiment une notion de cachotterie. Allons-y avec une carte sur la nuit ici. Là, on commence à avoir peur. Bon, on aurait une décision à prendre. Quelle clé vas-tu choisir? Plusieurs options s'offrent à toi. Attendez, je vais demander une autre carte. Une autre carte image sur l'ombre. On dirait que c'est quelqu'un qui a plusieurs portes de sortie dans l'ombre, dans le mensonge. On a plusieurs clés, comme plusieurs masques. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de malhonnête. Oui. Continuons. Oui, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de malhonnête. Le retour de, on tourne en rond, on est bloqué. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vit de l'anxiété, de la peur. On tourne, on tourne, on tourne, on répète quelque chose. Il y a une notion de répétition. C'est quelqu'un qui, écoutez, c'est quelqu'un qui... Avec le trousseau de clés, si on ne prend pas cette clé-là, on va prendre l'autre. On dirait que c'est quelqu'un qui a le choix. Le retour de quoi? Et on dirait qu'il y a une répétition du mensonge. Ça revient encore. On joue dans l'ombre, on crée l'illusion. Là, je suis en train réellement de me demander si la personne est sincère quand elle demande de pardon. Je suis coupable, je me sens coupable. Je vais cesser de mentir. Je vais te dire la vérité. On pardonne et par la suite, ça recommence. Je peux rencontrer plusieurs personnes en cette guidance. C'est possible ici qu'il y en ait une qui va réellement mettre un terme au mensonge. J'ai vraiment l'impression de rencontrer l'hypocrisie ici, là. On se cache. On recommence. Il y a une répétition. C'est quelqu'un, on dirait, qui est très habile à créer l'illusion, à créer la confusion, à te faire tourner. À te faire tourner la tête. Ici, là, c'est ce que je rencontre. Une personne très habile
Il y a vraiment une répétition du mensonge. J'ai comme l'impression d'en rencontrer une des deux personnes. On dirait qu'il y a deux personnes. Une qui se sent réellement coupable, qui regrette d'avoir menti, d'avoir joué dans l'ombre, qui veut vraiment se libérer d'un passé, et l'autre qui répète, ok, écoutez, là, l'habileté, la manipulation, là, ici, là, une personne qui sait bien manipuler ses clés, qui en a plusieurs à son trousseau, qui sait comment mentir, ah, c'est ça ici. Il y a un retour, il y a une répétition, et ça recommence. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est sincère, qui veut être vrai avec elle, être vrai avec toi, et l'autre qui dit, qui recommence. Qui recommence son petit jeu. Ici, c'est ça. Il y a une répétition. Et c'est la carte ici là, qui me parle de One Night Stand aussi. Infidélité. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Donc, il y en a une des deux personnes qui va mettre un terme ici, d'après moi, au mot humilié. Qui ne veut plus, qui met une limite à l'autre. Qui ne veut plus emprunter le même chemin que l'autre. J'ai l'impression de rencontrer deux personnes dans cette relation. Il y en a une qui ne veut plus emprunter le même chemin que l'autre. L'autre est dans le mensonge et il y a une répétition. On dirait que ça ne s'arrêtera jamais. On dirait que c'est sans fin. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant où j'en suis dans la guidance. Il y a quelqu'un qui sort de la confusion. La confusion stop merveilleux. Il y a quelqu'un qui ouvre ses yeux, qui voit clair. On ne veut plus avoir à se cacher. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer la carte de l'autre, qui ne veut plus suivre la voie de l'autre. C'est humiliant. Il y a une personne qui se sent coupable au bout du compte. Mais ici, c'est une autre énergie. Donnez-moi une minute. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne là, ici. Ici, il y en a une qui veut être vraie. Oui, qui a joué d'hypocrisie, qui a menti, qui a joué des rôles, qui a caché, qui joue dans le caché, dans l'ombre, dans le mensonge, qui se sent coupable, qui veut cesser de mentir, de répéter ce schéma destructeur. Qui veut être en paix. Il y a vraiment quelqu'un ici qui veut être en paix parce que cette personne n'est pas en paix dans sa conscience. Et l'autre, pour l'instant, l'autre continue son jeu. Donnez-moi une minute. C'est quelqu'un qui déforme la réalité. On ment à répétition. C'est vraiment quelqu'un qui manipule le mensonge habilement. Relation karmique. Donc ici, oui, on nous parle d'une grande leçon de vie, une grande leçon à apprendre de cette relation. On ressent de la colère. Des non-dits, beaucoup de non-dits, des silences, des non-dits, des cachotteries. Des infidélités. Donc, il y avait quelque chose d'important à apprendre dans cette relation. Et c'était quoi? Es-tu fidèle à toi-même? Es-tu fidèle à toi-même? On dirait qu'on t'a présenté une personne infidèle à elle-même, une personne qui ment, qui joue dans l'ombre. Et cette personne-là répète son mensonge. C'est vraiment quelqu'un, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui sait très bien jongler avec le mensonge. Très habile.
Donc ici, avec la carte de la relation karmique, on t'encourage à lâcher prise et à te respecter. Si il y a une de ces deux personnes qui... Ah oui. Ici, on s'en va vers une guérison émotionnelle. On dirait que c'est un baiser du au revoir. Il y a quelqu'un qui s'en va vers une guérison, qui se libère d'une relation, oui, qui va poursuivre sa route. Cœur brisé. On se libère d'une relation toxique. On a aimé cette personne puisqu'il y a la carte des bisous. On est tombé en amour avec cette personne. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a appris nos leçons et on va poursuivre notre chemin. On s'en va vers une belle transformation avec le phénix, renaître de ses cendres. Oui. On a aimé une personne qui quoi? Et on a emprunté la même voie. On était sur sa voie. On a emprunté la même voie. La voie du mensonge, la voie du caché, la voie de... de l'infidélité, infidélité à soi. On dirait ici que c'est le dernier bisou. On a aimé cette personne, c'est quelqu'un de proche, là, on était en relation. On est tombé amoureux de cette personne, amoureuse. Mais là ici, on se libère de cette relation, de cette toxicité. On est triste, cœur brisé. Et on s'en va vers une guérison, vers une belle transformation. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'une relation où il y a eu beaucoup de mensonges, d'infidélités. Ce sont ces... à répétition, J'ai vraiment l'impression aussi d'être avec quelqu'un qui n'a pas l'intention de changer. Donc, il y a une personne qui va prendre une décision, qui va changer. On ne va plus... On ne va plus dans la même direction, là. Il y a quelqu'un qui va changer de voie. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui va changer de voie. On ne veut plus se cacher. Il y a quelqu'un qui veut se libérer avec le mot pardon. Qui veut être en paix avec sa conscience. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix avec sa conscience. Stop confusion. Confusion stop et merveilleux. Oui. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Opérer un changement important. Oups! Ah, regardez la carte. Déception. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Allons-y. Continuons. On se questionnait, possiblement. Ici, on ferme la porte. On a choisi de fermer une porte. On a eu des réponses à nos questions. On a décidé de fermer une porte. On a fait un choix. Oui. Une personne a eu des réponses à ses questions. Là, je vais vous lire la carte déception. Allons-y. Les cartes, j'aurais quasiment le goût de vous lire les trois cartes. Questionnement, les trois cartes supplémentaires et le choix. On est guidé, on nous le dit. On est guidé. Ah, j'ai le goût de vous lire les trois. À moins que je vous lise les messages. Questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Ici, quelqu'un a eu les réponses à ses questions. Non, on ferme une porte. Non, je vais vous le lire. C'est un court message. La carte 44 qui nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » On avait dit oui à une certaine personne. On a suivi son chemin. Mais aujourd'hui, on réalise que son chemin nous a menés où? Nous a conduits où? Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette.
Rien de valorisant sur ce chemin. On se cache, on joue dans l'ombre. Rien de valorisant. En tout cas, en cette guidance, c'est ce que je vois. Je vois plutôt l'humiliation. Une personne aussi peut nous rabaisser. Ce n'est pas valorisant. Donc, il y a quelqu'un qui va changer de voie. Il y a une grande déception. Donc ici, on nous dit avec le non, nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. La carte de la déception nous dit quoi? C'est la carte qui nous parle de mensonges. Décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Peut-être ici qu'on s'est mis la tête dans le sable. On a fait l'autruche. On a pratiqué le déni, consciemment ou inconsciemment. On ne voulait pas voir la réalité. On a fait comme si ça allait bien. Comme si tout était beau. Tout est beau. Mais non, en réalité, on le savait très bien que... que ça n'allait pas. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité, tôt ou tard. Cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir. Bien, c'est ce qui se passe ici. Mais d'un côté comme de l'autre, on dirait qu'une personne a décidé de suivre la voie de l'autre personne qui mentait à répétition. Mais aujourd'hui, on ne veut plus suivre sa voie. Il y a quelqu'un ici qui s'est remis en question. Allons-y. Acceptons que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Et la carte du choix. La carte du choix nous dit quoi aujourd'hui? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Oui, nous sommes responsables de nos choix. Ici, il y a une personne qui avait décidé de suivre le chemin de l'autre personne qui mentait. Qui jouait dans l'ombre, dans le cachet. Et une personne a fait le choix ou va faire le choix très, très bientôt de changer de voie. Parce qu'elle ne se respecte plus dans cette voie d'infidélité à soi. Allons-y. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc, il y a quelqu'un ici qui se questionnait, qui était en remise en question. On dirait que c'est quelqu'un qui a fait un genre de bilan intérieur. Mais cette personne a décidé de fermer une porte à une personne qui ment. Mais on avait décidé, hein? On avait quand même décidé de suivre sa voie. Mais aujourd'hui, on a décidé de changer de voie. On s'en va vers une guérison du cœur. On se libère d'une relation en laquelle on ne se respecte plus. C'est ici que je vais m'arrêter. D'une relation, d'une situation, on se libère, on s'en va vers quelque chose de plus respectueux. Envers soi-même. Voilà. C'est ici que je m'arrête. Je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, toujours très encourageants. À très bientôt.